Hey, salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Satisfactory avec Elbrudy. Ça va Elbrudy? Ouais, je vais me téléporter. Fais gaffe, il paraît que ça fait mal. Même pas peur. Et voilà, ça y est, je suis au hub. Bravo. Bon, bah moi j'avais mis les deux productions avant la fin de l'épisode en route. Donc bah, il y en a une qui est en train de se finir, 992 sur 1000. Et l'autre qui s'est terminé, les 256 objets là sont prêts. Tiens, moi je vais aller au MAM. Normalement, je vais pouvoir faire la dernière technologie extraterrestre. Excellent. Et puis bah va falloir trouver comment faire. Pas d'alimentation à ce truc-là, vous êtes sérieux? Pourquoi il n'y a plus rien d'alimenté? Alors, bah, je sais pas moi. D'accord. Non, c'est un bug. Il n'y a plus rien d'alimenté là. D'un seul coup, une partie de ma Couper le prod. mauvais câble. Ah oui, quelqu'un a coupé. Non, mais moi, j'ai pas coupé. Bah... Oui, si, j'ai coupé des câbles, sûrement. Oui, t'as raison. Ok. C'est bête que ça s'arrête à 992. Taya, t'as Si tu le débloqué dis. la dernière recherche alors? Ouais. Et ça fait quoi ce truc? Non, c'est rien, moi j'ai débloqué. À un moment. Alien Power Matrix recipe unlocked. These disposable synthetic mimic artifacts increase power augmenter output by further stabilizing the Summersloop's C'est pour connection to its energy l'accélérateur, le harness truc qu'on n'a during pas fait. ignition. Ah oui. Faut mettre 10 Summersloops dans Is a l'accélérateur beginning, après. far from an ending, a Genre on a step 10 in Summersloops pas between. gâchés quoi. Tu prends le portail? Oui, je vais le prendre, même si j'ai pas besoin. Mais là, ça m'inquiète un peu, les 992. Reste à 992. Allez, hop là. Il faut garder ce qu'il faut pour le dernier objet. Hop là. C'est beau. Le suppositoire géant. Ça doit pas s'appeler comme ça. Ah, ça s'appelle peut-être pas comme ça, mais ça y ressemble en tout cas. J'ai cru que j'allais rester dans le void. Alors, si tes suppositoires ressemblent à ça, c'est qu'en fait c'est ceux de ta femme. Sais pas, je mets jamais de suppos. Je veux bien te croire. Et pour cause, hein, quand on voit à quoi il ressemble, ça donne pas envie. Ça va se faire où encore dans un accélérateur? Sérieux, il me fait le coup de... Il n'y a pas de trigon. J'avais mis 10 000. Il m'en fallait 10 000. Il n'arrête pas de me dire qu'il n'y a pas assez de trigon. T'es sérieux? T'avais dit que t'en avais pris un peu moins de 10 000. Non, non, j'avais 9 600 et 2 et 400 dans un autre coffre. Non, non, y a bien... Y a bien le jeu qui te bouffe des ressources. Pas grave, hein, j'en remets. Je retrouve pas. Trouve pas où se fabrique le dernier truc. Faut dire que j'ai pas le nom. J'aurais le nom, ce serait peut-être plus simple d'aller chercher. Elle a pas. Bon, et on n'aura pas fait 1000 tickets alors. Alors, le nom du truc, c'est moteur à distorsion balistique. Balle. Moteur à distorsion balistique qui se fait dans une façonneuse, d'accord. Ok, Donc. alors chez moi je produis les trois derniers trucs. Très bien. Donc, il nous en faut 200. Donc, en fait, c'est comme si on en fabriquait 100. Il me faut 4000 cristaux à matière noire, 200 oscillateurs de superposition, 500 cellules de singularité et
sans fusée à propulsion thermique. Je vais essayer de faire les fusées à propulsion thermique. Et je te laisse t'occuper de stacker les autres. Tu multiplies par 100 et c'est la quantité qu'il faut. Alors, on y va. Fusée à propulsion thermique. Bah déjà, j'aimerais bien démonter ça. Sérieux, allez. C'est pas possible. Là, on va se mettre un petit convoyeur vertical. Ça, je sais qu'on en a plein. Ça y est, les 1000 sont là. Vous pouvez vous arrêter, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Que je vais balancer. Chaud à balancer des trucs. Parce que quand c'est pas des prods que j'ai fait, je sais pas à quel point on en produit, je connais pas les stocks. Ensuite, oscillateur à superposition. Alors les oscillateurs de superposition, j'en ai 22. Oui, non, mais j'ai du stock, t'inquiète. Faut juste que je retrouve où je le fais. C'est là. Retour en arrière. Presque fini de nettoyer ma plateforme. C'est une production pour les 1000 trucs là, c'était assez prenant quand même, hein, ça prenait de la place. Et bah écoute, moi j'attends plus que la dernière prod. C'est-à-dire ce que je suis censé faire, c'est ça? Ouais. Bah alors tu peux m'aider parce que j'ai pas commencé. Je suis en train de finir de démonter la prod d'avant. Pardon. Donc je vais déjà la poser. Et la raccorder. Puis après on va voir ce qui manque. Donc production, tu me dis que ça se fait dans des façonneuses, hein, ce truc-là.
Donc une façonneuse, deux façonneuses, trois façonneuses. On va déjà voir comment ça marche. Donc ce sont les moteurs à distorsion balistique. Très bien. Summer Sloop, éclat de charge, c'est parti. Ça me dit qu'on va en faire 15 par minute pour en faire 200, ça me paraît correct. Si on arrive à fournir, ça fera 10 minutes. Donc, pour le coup, c'est bon. Je vais les alimenter, les relier. Bah, j'étais en train de le faire. Eh ben, fais-le, pas de souci. Je les relie, je vais t'alimenter, je crois. Voilà, ça a l'air d'être alimenté. Parfait. Donc, fusée à propulsion des oscillateurs. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est les matériaux. Ok, donc tu te laisses mettre les trois coffres et les répartisseurs pour tes objets déjà. Ou mais alors... j'ai déjà mis chez moi. J'ai déjà mis chez moi et j'ai les trois trucs. Toi, tu dois juste faire la fusée à propulsion thermique. D'accord. Mais là, je viens de mettre les façonneuses qui allaient, qui rentrent dans l'ascenseur spatial. Donc, t'as déjà mis les façonneuses là-bas? Bah, j'ai mis une façonneuse avec tous les produits dedans. Il me manque juste la fusée à propulsion thermique. Bah, une façonneuse, ça suffit pas. Il faut en mettre plusieurs. Et t'as mis les summer sloops? Non, parce que j'en avais pas. Ok. Mais ouais, parce que là, s'il faut que tu envoies tout par un. Bon, tu me diras, rien. On peut envoyer. Bah non, tu peux tout porter sur toi. Ça fait même pas un coffre. Mais t'es comme tu veux. Et là, tu produis pas les fusées. Je n'ai là. Pas commencé. Je n'ai pas commencé, je te l'ai dit. Alors, pour les fusées, je fais déjà des moteurs, les moteurs thermiques, les systèmes de refroidissement et les cadres fusionnés. Donc il faudrait juste que tu fasses les moteurs turbo. Non, t'en fais aussi ça, des moteurs des turbomoteurs, non? Non. C'est pas... Moteurs modulaires, pardon. Les moteurs modulaires, j'en fais pas. D'accord, alors... Après, ceci dit, moteur caoutchouc et plaquage intelligent, je dois pouvoir en faire. On peut peut-être même les faire à la main. Alors attends, on va aller voir ça. Déjà, ça se fait dans quoi le truc en question, là? C'est des fusées propulsion thermique, ça se fait ici. Oh, le jeu est en cours de sauvegarde, d'accord. Donc, combien est-ce qu'il nous en faut? Je crois que c'est 100, c'est ça, hein? Il en faut 100. Donc, il me faut... Hop, je mets les summer sloops ici. Donc, il nous faut 125 moteurs modulaires, 50 turbomoteurs. Tu les as, les 50 turbomoteurs? Ils sont sûrement dans le void. Devait être dans le void. Turbo, moteur, voilà, hop. Hop, je les mets là-dedans. Système de refroidissement, bon bah, il en faut 150. Je détruis ce que j'ai fait alors. C'est toi qui choisis où on le pose. De toute façon, ça revient au même, je veux te dire. 150, c'est bon, je l'ai mis là-dedans. Cadre modulaire fusionné. On en a plein. Je mets là-dedans. Les moteurs modulaires. Pour l'instant, on n'en a pas. L'idée, c'est de les faire le plus vite possible, donc je pense que je vais les faire à la main le temps que la machine les démarre. Un établi. Si je peux les faire à la main, je ne sais pas si c'est possible. Je vais regarder. Modulaire. Non, je ne peux pas faire de moteur modulaire. Très bien. Allons voir ce que c'est. Et où ça se fait. Ça se fait forcément dans une façonneuse. Avec les trucs. Et un par minute. Ouh, ça va être tendu. Combien est-ce qu'il m'en faut? On a dit qu'il en fallait 125. Donc c'est parti. La façonneuse de moteur modulaire, je la mets là. Je la relie. Là-bas. Je l'alimente. Parfait. Il s'agit de moteur modulaire.
Alors, à chaque fois que je pose un bâtiment, maintenant je ne le vois pas. Il apparaît plus tard, il est invisible, je vois que les sorties. Qu'est-ce que je fais avec une sphère de... Ah oui, je l'avais prise, ok. Ah, il me semblait que tu m'avais dit il n'y a pas très longtemps, tiens, j'ai trouvé une sphère de Mercer. Alors, des moteurs. Bon. Je suis en train de lancer la production là. Normalement, tout s'enchaîne. Faudra peut-être forcer un peu ou en faire une deuxième, on verra. Caoutchouc. Bon, moteur modulaire, hein, je vais m'occuper de ça. Ils sont faits, hein, ça y est. Ah bon? Ouais, ça y est, ouais. Il te manque quoi alors là? Pour les moteurs modulaires, il me manque les plaquages intelligents. Je suis en train de les mettre dans le coffre et hop, ça produit. Maintenant, on va regarder la quantité produite et la Et vitesse. Il pour les manque plus autres rien. trucs là? On a fini. Donc, le truc, c'est que ça m'en fait 5 par minute des moteurs modulaires. Donc, en théorie, c'est 25 minutes. Mais avec le ticket qu'on a, c'est plutôt 1 h 30. Donc, je pense que je vais devoir multiplier les productions. Donc, je vais en mettre une deuxième là. Hop, deuxième façonneuse à côté. Voilà. Hop. W. Paramètres collés, on est d'accord. Tu fais des poids du tout. Alors, où est-ce que je vais t'alimenter électriquement? Bah non, Là. t'as pas les trucs puisque tu... Vas-y, dis-moi. Bah dans tes... t'as posé tes façonneuses mais tu les as pas alimentées avec un coffre. Par rapport à quoi j'ai mis les produits dedans? Ça suffit pour l'instant, de toute façon, ça tourne pas en Non, attendant. t'as rien mis dedans. Alors, j'arrive, je sais pas de quoi tu me parles. Ni où. J'ai que ces façonneuses-là ici. Les fusées thermiques sont toujours pas en train de se faire parce que les moteurs n'arrivent pas encore. Les moteurs, par contre, sont en Non train de mais se t'es où, faire. t'es où? J'ai pas besoin de relier à la fabrication finale tant qu'on n'est pas encore. Ah non mais parce que moi j'étais sur les trois. Ouais, c'est pas encore relié effectivement à cet endroit-là, mais ça va pas changer. Les moteurs modulaires sont pas encore sortis. Oui. Mais ça arrive, hein, disons que c'est en cours. Mais là, je préfère doubler d'abord ici parce que je vois que c'est trop lent. Hop là. Alors, je pense que... Hop, on va grouper ici. Par un peu près pour couper, alors je vais plutôt faire un truc comme ça, à mon avis. Moteur modulaire, c'est x2 normalement. Ouais, c'est ça. 10 par minute en théorie. Pour en faire 125, c'est 12 minutes. Ouais, sauf qu'il n'y en a toujours que 3 dans le truc pour l'instant. Je suis censé en faire combien par minute là? Je suis censé en faire 10 par minute. Il y en a 3 qui sont sortis. Genre, ça fait que 40 secondes que le setting est posé. Non, pas du tout. Ça fait pas 40 secondes. Bon, en tout cas, il vient de m'en faire deux. C'est déjà ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais une troisième façonneuse. Hein. Je vois que ça. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Sinon, je m'assois et je regarde. Donc, je fais une troisième façonneuse. Alors, lui, quand j'ai passé la souris dessus, il y avait marqué 0 sur 4. Donc, à mon avis, c'est bien branché. Et ça va pas suffire. Hop là. Je la vois pas la façonneuse que je viens de poser. Veuillez bien apparaître. Ah, ça y est, elle vient d'apparaître. Ok. Donc, normalement, on peut relier direct. Voilà. Par contre, pourquoi quand j'ai fait copier-coller, il m'a pas mis les summer sloops? Ils ne sont pas dans les autres? Si.
donc il n'y a plus qu'à relier. Groupé. On y va, on en fait 15 par minute. Ça devrait être suffisant ici parce qu'il en demande que 6. Donc en théorie, on va pouvoir faire une deuxième... Ah mais c'est fou. Tu viens de les remplir à la main là le truc. Ou ça on a toujours pas fait un seul. Ça n'a toujours pas fait un seul. Je sais pas de quoi tu parles. Les fusées à propulsion thermique. Et c'est pareil, j'ai du mal à comprendre comment elle peut produire alors que ça m'affiche 3 sur 5 pour les moteurs modulaires. Et 7 sur 5 après. Ouais, il y a des bugs d'affichage maintenant en plus. Parce qu'elle en produisait, il n'y avait que 3 moteurs dedans, sauf que elle produisait alors qu'il en faut 5. Donc ça m'affichait tout simplement pas la réalité. Bon, bah après, il n'y aura plus qu'à aller vérifier que la bonne quantité a été mise dans les trucs, mais j'imagine que oui, c'est bizarre ça. C'est relié à rien électriquement parlant, tout ça. Donc là, ça attend toujours les fusées, tranquillement, sereinement, et ça n'en fait pas. Turbo. Bon bah voilà. Donc là t'as mis 50, ça fait 5, on pourra pouvoir produire 10 fois, donc en faire 20. Ouais, donc il faudra revenir une fois pour mettre les cellules, les oscillateurs par contre à mon avis. T'en as mis 100, donc on va produire 50 fois 50 fois de 200, donc c'est largement suffisant. Des cristaux de matière noire, t'as mis 200. C'est 40, c'est 20. C'est 40 par production. Donc on va produire 5 fois. Faudra revenir plus souvent pour les mettre. Ouais, ouais, j'en ai sur moi de toute façon. Ouais, puis c'est pas comme si ça avançait. Peu, j'en avais mis 200, il n'y avait plus que 160. Dans l'un d'eux. Hé, hey, il y en a un qui est arrivé. Ce qui est extraordinaire. Quand on sait qu'on les fait par deux. C'est génial. Non, c'est le petit bug. Quand la recette est mise... De toute façon, la plupart du temps, avec les summer soup, la première recette, est... ça produit qu'une fois. On a beau leur dire gentiment, ils s'en fichent. Et ça produit. On produit en masse. Là, t'en produis 5 par minute de ici. Et là, c'est que 2,5. Ah non, ça y est, c'est 5. En théorie, en 10 minutes, c'est fini, hein, les fusées à propulsion. En théorie. Mmh. Faut juste venir. Moi, j'ai le temps de te tuer 10 fois alors. Ouais, même plus, parce que tu sais. Tu veux que je résiste? Oh, mais je vais te tuer avec l'épée. Avec l'épée? Toujours, hein. En fait, je pense que tu sais pas tirer. Je pense que tu te caches. Tu caches ton incompétence aux armes à feu avec un semblant de bravoure. La réalité, c'est que. À mon avis, tu sais pas tirer du tout. Tu m'as raté, c'est toi qui dis que je sais pas tirer. Oui, mais en même temps, tu sais, là où je tire, c'est pas là où t'es. Hein. Pourquoi tu tires dans le vide alors? Je tire là où je te vois, et je sais très bien que là où je te vois, c'est pas là où t'es.
Par exemple, là, je comprends pas comment j'ai pu prendre des dégâts puisque à aucun moment tu ne t'es approché de moi. Ah, tu tirais. Bah, je te voyais avec ton épée dans la main. Comme d'habitude. Tu sais ce qu'il me faut? Je vais m'en aller et je vais me faire des fusils à balles à la tête chercheuse. Ça sera quand même plus simple. Quoique ça, à tous les coups, ça va pas te tirer dessus, ça va pas vouloir. Je me fais plus de dégâts en tombant qu'en tirant dessus, qu'en prenant tes tirs. T'es reparti avec l'épée. En même temps, ça m'étonne pas. Je tire pas de balle dans le vide. Voilà. Ah bah, comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est les seuls dégâts que je me suis pris, c'est les dégâts de chute. Et toi, pareil d'ailleurs, hein, j'ai dû gaspiller 1800 Oh, tu me balles. tires dessus quelquefois. Sur 1800, t'estimes le taux de. Le hit rate à combien? Oh, 0,5% Ouais, peut-être. Hein. c'est dans ces eaux-là, ouais, c'est pas plus étonné que ça. Bois un coup. On en a fait 21 des trucs. Je suis mort qu'une fois, donc t'as le temps de me tuer 10 fois. Mais je ne résisterai plus, je n'essaye même plus de me battre contre toi. Par contre, je vais te faire du mal. Je vais aller dans le broyeur Non! et je vais mettre 2000 ordinateurs quantiques. Super ordinateur. Non! C'est parti. Hop là. Tu peux plus me tuer, hein, c'est fini, c'est mort. C'est pourquoi? Je me bats aux champignons, mais là ça n'a pas suffi. C'est Te triché bats quand au même. champ, tu vois. Oui, je bouffais sans cesse. Mais effectivement, hein, si tu m'as fragmenté. Mais je trouve que ça manque un petit peu de nobelisque nucléaire. Tu devrais aller t'équiper avec du vrai stuff. Ah mais t'as vraiment été balancé mes ordinateurs, quoi. On se venge comme on peut. Bah, je les ai récupérés. Je n'en doutais pas. 41 bons fixes quand même, hein. Ouais, plus tout ce qu'on a en réserve dans le Void, hein, tu sais. Bah je te laisse les prendre, ouais. Parce que t'arrives pas à les choper à chaque fois, c'est ça? Non, non. Chaque fois, J'ai on même clique. pas essayé. Alors, je vais les mettre dans le Void. Hop là. Donc, bah, fix it. Non, awesome. Ça ne marque pas. J'ai le OK. Bon, fix it. C'est ça. On en a 358 au total. C'est 1000 pour avoir le super trophée. Mais tu dois pouvoir faire plein d'ADN et tout ça si tu as envie. Bien, ça avance pas beaucoup là. Je vais aller voir ce qui manque. Ici, ça tourne, c'est blanc. Ça, 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 c'est blanc. Tout tourne en fait. Soi-disant, tout tourne au max. T'as la sensation que ça monte de 15 par minute? Tout est blanc là, donc c'est que tout est fourni et tout tourne au max. Oui, bah écoute, au moins je lag pas à mort du fait qu'on soit sur un serveur.
on lag à mort. Moi, je lag à mort. Ouais, non, attends. Tu lag pas autant que ce que je laguais dans ta base la saison précédente. Hein. Oui, mais au moins, on avait un vrai ticrette, quoi. Quand ça disait que dans 10 minutes, ça serait fini, c'était fini dans 10 minutes. Oui, je me faisais éjecter de la partie pendant que je prenais le tube et il me fallait 10 minutes pour revenir. Ça c'était parce que ça, tu faisais laguer à chaque fois que tu arrivais quelque part, j'étais obligé de tout kicker sans cesse pour avoir un bon. C'est ça. Tu prenais trop d'espace mémoire sur mon ordinateur. Voilà, hop. Je répartissais un petit peu, si on n'avait pas assez dans sud-droite. Ouais, bah moi je mets les autres compos dedans. Ouais, je vois ça. Moi je surveille. Ah, il y a un jaune ici. Hop là, ça manque de moteur modulaire, donc ça manque de rien. Il y a juste à attendre. Moteur caoutchouc, plaquage intelligent. Je vais peut-être remplir les trucs. Alors le plaquage, c'est lequel? C'est celui-ci. On y va. Alors, plaquage. Hop là, moteur. C'est bien le void, hein, quand même. Tu te rends compte que là, je te demanderais du caoutchouc. Tu seras en train de dire, ok, je vais le chercher. Et hop, tu partirais là-bas. À perpète. Et tu reviendras une demi-heure plus tard. Oui, après, avec les tuyaux, ça va vite. Et maintenant, il y a les portails. Encore mieux. Bon, je vais réalimenter le tiers 1, moteur modulaire, le tiers 2, turbomoteur, système de refroidissement, je vais réapprivoiser tout ça. Alors il faut des turbomoteurs. Il y en a à nouveau 250, hein. Je les avais vidés il y a 2 secondes, donc soi-disant que tu les fabriques lentement, tu y parles. Ou alors ça a stocké pendant des heures. Mmh. Par contre, les oscillateurs de superposition, là, il n'y a plus de stock. Hein. Mais t'en fabriques ? Très peu. D'accord. Et ils partent dans une prod. Bah, il faut les couper. Il faut les récupérer. Il faut les intercepter. Par contre, t'en avais assez à la base quand t'es arrivé. T'avais la bonne quantité. Je sais rien. Je sais rien, moi. T'es dit combien il t'en fallait ? Tu crois que je regarde la quantité, moi. D'accord, mais est-ce que tu te souviens combien t'en as amené, par contre? Est-ce que t'en as amené 200? Non. D'accord, mais il y en a... Oui, j'en ai ramené plus que 200, oui. Il y en a 100 dans celui-ci, 100 dans celui-ci, 100 dans celui-ci. Donc t'as ramené les 200, à mon avis, vu qu'il y en a 300 dans les trucs. Mmh. Pas de souci, on est bon. Les cellules, c'était 500. Donc là, est-ce que t'en as 350 sur toi, à peu près? Il m'en reste 240 sur moi. Donc il nous manque peut-être 100 cellules. Et les cristaux de matière noire, est-ce que t'en as... J'en ai plus de 400. C'était 2000 qu'il fallait. Et là, on en a 600, donc ça fait 1000. Je vérifie que c'était bien 2000. Après, on est... C'était 4000 qu'il faut. On est au quart de la prod. Il nous en faut 4000. Ouais, on est au quart de la prod. Mais ça, il y en a qui se remettent dans le void... Ok. Pas de soucis, parce que ça, c'est le seul truc qui va déchirer. Ceci dit, on est à 63. Hein. Ça monte assez bien, là. Allez faire de l'ADN. Avec plaisir. Est-ce qu'il nous reste des trucs dans le void pour faire de l'ADN? Par contre, il y a un problème, les cristaux de matière noire, il nous en faut 4000 et là, il y en avait que 62 dans le void. Ça veut dire que tu as tout récupéré il y a quelques secondes? Oui. Ok, ça me va. C'est ça. Il nous en faut bien 4000, ouais. Mais comme on est à 70, ça veut dire qu'il en faut plus que 1300,
2600. Et il y en a 6. Ça va, il n'y en a plus. Tu peux me les donner, les tiens, si t'es parti te balader, parce que là, les cristaux, ça commence à manquer à grande vitesse. J'ai parti broyer de l'ADN. Ouais, il faut les remettre les cristaux. Soit on fait des coffres, soit on les remet toutes les 10 secondes. Donc si tu veux, moi je veux bien rester sur les machines. Parce que là, les 200 que tu mets, ils sont consommés chaque minute. Et je voulais voilà, que j'ai remis le plein. Donc 600. Il faut que tu me dises aussi combien t'en reste. Est-ce 2400, 1800. Est-ce qu'il t'en reste 1800? Non. Combien il t'en manque? Ouh. 400, j'en ai 566. Donc il en manque 1300, j'en ai 200 sur moi, ok. Mais je vois que la prod monte pour l'instant, je vais aller la vérifier. Je vais voir si on a un autre coffre. Ça marche. Parce que de toute évidence, on n'a pas ce qu'il faut pour finir pour le moment. Sur nous, ni dans le void, mais c'est peut-être déjà produit quelque part. T'avais déjà récupéré les bons fixit? Les bons fixit sont dans le void. Et là, je vois qu'il n'y en a que 6. Bah, c'est déjà pas mal. C'est plus ou moins énorme déjà. Hein. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Rien. Il y a des machines qui produisent rien. Ça m'étonne pas. Tu vois, chez Boudave, tu vois, ça, ce coffre aussi, il est vide. Ça, là aussi, ça produit rien. Ouch, les cristaux de matière noire, c'est ce que tu produis là-dedans, ok. Alors on a un vrai problème parce que tu es loin de produire suffisamment. Attends. Oh, tout de suite. Ouais, 60 par minute, ça peut aller, mais il produit pas 60 par minute, c'est le problème. Hop là. Parfait. Allez, mettre ça aussi. Dans le veuil de cristaux. Hop. Alors, combien j'en ai sur moi maintenant? 1000 et toi t'en as 500. Donc on n'est pas loin. Ça va peut-être le faire. Où il a mis les portails? Là-bas au bout. Je vais prendre un portail, je vais aller me mettre à l'autre bout du monde. Puis voilà. Et je vais l'alimenter avec de la biomasse. Cela, oui. Je fais ce que je veux. Je veux mon réseau électrique séparé. T'es pas venu réalimenter les trucs toutes les minutes. Ah, ça tourne pas. Non, j'étais en train de faire des tickets. Ah oui, je t'avais dit de me donner tes cristaux alors. Je vais venir les chercher. T'es où? Ouais, j'ai mis dans les coffres tout ce que j'avais. D'accord, le coffre de la base principale, c'est ça? Non, parce que je suis en train de vider mes poches là. D'accord, mais les cristaux, les 500 que t'avais, ils sont où? Ils sont sur moi. Voilà, c'est ça que je venais chercher.
Non, mais là, je viens de remplir, là. Pour le coup, t'as pas besoin d'y aller. Je viens de le faire. Mais pas de souci. Alors. Et ben on est à 108, 109, 110. Tu crois qu'on va pouvoir quitter cette fichue planète ou pas? Mais oui. Serait la moindre des choses. Après ce qu'ils nous ont fait subir pendant des années. Déjà qu'on choisit pas dans quelle équipe on tombe. Ah ça, malheureusement. Ah, t'es d'accord avec moi, hein? Tu vides tes poches, c'est-à-dire que tu as finalement fini par détruire tous les ordinateurs, les super ordinateurs? Possible. C'était bien la peine. Et je veux les 1000 tickets. Les 1000 tickets. Après, les 1000 tickets, c'est pas tellement un souci, hein. On peut se connecter de temps en temps, laisser tourner le serveur et d'ici que ce soit diffusé. Tu rajoutes le moment où tu fais tes 1000 tickets. Parce que c'est vraiment pas compliqué d'avoir 1000 tickets. Il faut juste que le serveur tourne pas quand on n'est pas dessus. Donc il faut juste se laisser présent sur le serveur quand on va dormir. Ça va nous coûter 20 euros en électricité. Mais tu peux avoir tes 1000 tickets. C'est vrai qu'avoir les 1000 tickets pour finir Satisfactory, ça serait sympa. Y a plus de cristaux. Mais si. Non, c'est tout vide. Ouais, là, non, quand ça tombe à court de cristal dans le void. Y a plus de Je vais cristaux. aller chercher, j'ai un endroit où j'en ai. Excellent. Ça marche. Du coup, je peux les remettre tous ceux que j'ai piqués dans les machines. Ah bah non, oui, faut que tu les mettes dans les machines, oui. Oui, non, mais parce que je repassais derrière toi pour les récupérer et te redemander, il n'y avait plus de cristaux. Comme t'as pas voulu me donner ton stock. Et après, tu les mettais dans les machines, puis je repassais à les récupérer dans la machine. Je te jure. Mais c'est pire qu'un gosse. Mais quoi? Y a plus de cellules de singularité. Alors, il y en a plein dans le void. On est à 150. Tadam! Ah bah en fait 150, c'est-à-dire qu'il faut encore 1000 cristaux. Il y en a 120. 120, il y en a 360. Et sur moi, il y en a 400. Il nous manque au moins 200 cristaux. Peut-être. C'est de l'à peu près. Ouais, mais c'est sûr que ça rigole pas, hein, c'est une production. Alors ta production, je l'ai interrompue, tout part dans le void, hein. Ça va pas dans les cellules. Donc si t'as pas une réserve quelque part, ou si t'en faisais pas ailleurs, t'en trouveras pas là-bas. Tout cas, J'en faisais ailleurs, mais j'avais plus de diamants pour les faire. Ouais, au pire, tu peux relancer, parce que tu sais, il va pas nous en falloir tant que ça.
On est à 165. J'ai lancé de quoi faire encore 30. Donc on va au moins aller à 185. Mais sur moi, par contre, il me reste de quoi en lancer. Ouais, il m'en manque 3 là. C'est bon, il y en a 5. 185, donc ça m'amène à 189. On va caler juste avant. Regarde si dans tes accélérateurs, tu as mis des summer sloops. Non, je n'en ai pas mis. Alors moi j'en ai deux sur moi, je peux pour l'instant pas t'en donner Ah plus, si, mais... il y a des accélérateurs où j'en ai mis, mais Bah, je viens de c'était te... pour la pâte nucléaire. Donc là, normalement, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, je vais démonter. Et donc normalement, je récupère des summer sloops. Il n'y avait même pas d'éclat de charge dans celui qui fabrique les cristaux. Ouais, en même temps, c'est normal, ça sert à rien parce que derrière, on fabrique pas plus que ça. Donc... Si tu veux mettre des éclats de charge dans le truc qui fabrique les cristaux, faut que tu mettes des summer soup dans la machine qui est derrière lui. Non, j'ai remis des trucs, c'est bon. J'ai mis directement dedans des cristaux temporels. Ça marche. Bon, en tout cas, je t'ai libéré des summer soup, je te les ai envoyés dans le void. Donc là, pendant quelques temps. Oh bah, je vais les mettre. Déjà que là, j'en faisais 150 par minute des cristaux. Là, bah voilà, je vais t'en faire 300 par minute. 300 par minute, en une minute, normalement on est bon, donc ça devrait le faire. Alors, bah non, je peux pas jeter, je vais aller mettre dans le truc à tickets si tu veux des tickets. Ah non, je te rassure, ce ne sont pas des cristaux que je mets dans le truc à tickets. Manquerait plus que ça. Oh, la prod boostée pour l'instant, ça a l'air de tenir. La prod de quoi? La prod de cristaux boostée, elle a l'air de tenir. J'avais un petit rap de cristaux temporels. Les mis dedans, ça suffit. Toute façon, là, j'en ai de quoi en faire 10 là-dedans, donc ça m'amène en 193. Et là, je mets de quoi en faire 6, ça m'amène à 199. Et là, ça va en faire 2. 201, c'est bon. C'est bon, donc je peux rétablir ma prod de cellules temporelles. Tout à fait, tout m'a l'air bon, hein. Tiens, on va pas tarder à en sortir 6 de plus. Et puis après, le coup d'après, ça doit être bon. Eh ben j'arrive pour voir ça. Tu vas appuyer sur le bouton. C'est embêtant si c'est de portail. Normalement, j'avais largement le temps d'appuyer avant que tu arrives. Mais là, maintenant, avec le portail, c'est plus ce que c'était. Ah, tu parlais, il en reste encore 7 à faire. Oui, mais on les fabrique par 6. Donc là, quand celui-ci aura fini, ça sera bon. 29%.
80%. Pas mal, hein? Ben et voilà. Tu fais ah ben non, c'est la fin de l'épisode. Ben oui, ça fait 5 minutes hein, déjà. Hein. J'ai été généreux. Oui. Ah oh, bah disons que c'est le dernier épisode de la série, quoi. 199, il y a un endroit où ça n'a pas dû sortir. Donc c'est lequel le plus avancé? Ah, celui-ci, il est à l'arrêt. Donc ce ne sera pas celui-là. Celui-là, il est à 67%. Et du coup, celui-là, il est à 77. Ça va être celui-ci. Voilà. Et puis ça va plus vite là d'un coup, je sais pas pourquoi. Il sait qu'il est pressé de finir le jeu d'un seul coup. T'as le ticket, comment allez, c'est bon. Allez, cassez-vous. Ça y est, hein, tu peux appuyer sur le gros bouton rouge. Bah, attends, d'abord, c'est une manette à descendre, faut que ça se ferme, et après, tu peux faire envoi. Et là, ça nous met une étape cachée, tu sais. Vous n'avez jamais été si important. Ah bah ça. This is the end of the Save the Day program. All you need to do is wait for the automated phase 5 construction to complete. Ne faites rien d'autre, ne faites rien. Bah je regarde en l'air, hein, au cas où il se passe quelque chose en l'air. J'ai l'air con. Tout le monde est là, groupé autour du truc, à regarder en l'air. Et allez hop, c'est envoyé. Et là, il va y avoir un grand éclair dans le ciel va devenir tout violet, et à la fin, t'as un kiwi qui descend. Mais bien sûr. On a fabriqué un kiwi! Ça y est, ça monte. Hein. Je dois avoir du retard sur ton animation. Oula! Pour le coup, l'éclair dans le ciel, j'avais pas tort. Ouais, ça ressemble plus à une explosion qu'à un simple éclair. Je crois qu'on a dû merder, on a dû rater notre coup. On est censé aller où? Nulle part. Il dit vous pouvez y aller. Pourquoi il y a une caisse ici? Bon. Ok. Restez à proximité de l'ascenseur. Bah, je reviens à côté de l'ascenseur. Est-ce qu'il y a une porte dans l'ascenseur? Non. Ouh! Vous nous avez oubliés? Il y a quelqu'un? C'est ça. Bah! Allô? On a fait ce que vous avez dit. Allô? Ah, il y a un truc Ah, là. Tâche vérifiez actuelle, l'huile. vérifiez l'huile. Ah, attends, stabilisateur. Oh là 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 là, sélection de bus. Qu'est-ce que c'est? Je J'appuie. chauffe les sièges, hein. Je vais nettoyer les fenêtres. Je vais vérifier l'huile. Ça y est, c'est fait. Régler l'injection de carburant à 5. Injection de carburant, je la règle à 5, c'est fait. Activation du bus B1, il est où le bus B1? Il est là. J'active. Le B1, pardon. Ouais, il me dit toujours régler l'injection de Stabilisateur carburant à gauche 5. à 9. Stabilisateur. Activation du bus B. Ah, mais attends, c'est pour chaque personne, c'est différent. Moi je fais ce que je veux. Stabilisateur gauche à 9. Droit à 4. C'est bon. Mettre la balance gyroscopique sur marche. Y sur marche. Z sur marche. Aïe, 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 aïe. Préparatif terminé. Allez, je Bah, m'en il vais. m'a ressorti du truc. Ouais, c'est normal, c'est moi qui m'en vais.
Mais c'est dégueulasse ça. Mais il se passe rien. Bah objectif oui. De la pionnière, ah tiens, oui. Qu'est-ce qu'il me raconte? L'ensemble des petits chatons et des petits choux vous remercierez s'il le pouvait. Vous avez fait vos preuves en tant que membre utile de la race humaine. Mais attends, je crois que la planète elle est en train d'exploser là. Je crois qu'on s'est fait enfler. La prochaine génération de pionniers pourra partir à la conquête des étoiles. Vous pouvez fixer une promotion au poste responsable local de la production, et ce, dès maintenant à titre posthume, c'est ça? Mais vos obligations à leur Fixit demeurent, d'accord. Super. Continue de le rendre du meilleur. Ouais. Restez efficace. Mais je veux pas d'un générique. Je suis coincé sur la planète avec Slan. Pitié. Aïe. Je te décoince. Hey. Mon ascenseur. Bon bah voilà. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de musique, mais il se passe absolument rien. Il y a la moitié de l'écran qui est pris par ce putain de truc. Ouais, c'est ça, ouais. On a juste le droit d'avoir la moitié de l'écran qui disparaît. Arrête, tu vas encore perdre. Tu vas encore perdre, Bouddha. Alors la bonne nouvelle, c'est que je vois pas ma barre de carburant. Ah, s'il tombait dans l'eau, il est pas mort. Ça s'est fait exprès. Plus de munitions, c'est la fin. Je vais régler le problème comme ça. Tu ne mourras pas. Je t'ai eu. Non, mais t'es encore en vie. Oui, mais t'aurais dû être mort. Bon allez, moi je quitte vers le menu principal. Allez, et ben en tout cas on vous remercie d'avoir regardé. J'espère que cette série vous aura plu. C'est terminé pour Satisfactory. On attend la nouvelle planète, le nouveau DLC, on verra. Hein. Et puis le nouvel acolyte aussi, parce que Bouddhaf il doit en avoir ras-le-bol. De toi un petit peu là, ouais. Monsieur crame mes super ordinateurs. Au final c'est toi qui les as cramés. Hein. Je les avais juste confisqués pour les mettre en sécurité. J'ai cramé ce qui restait. Bon, ouais. Alors si Bouddhaf a le courage de faire ses 1000 tickets, il vous mettra un petit ajout à sa vidéo. Et sinon, tant pis. Et puis, bah voilà. En tout cas, c'était une super série. Encore une fois, c'était très agréable de tourner avec toi, Bouddhaf. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Bouddhaf. Ça lui fera plaisir. C'est presque Noël. N'hésitez pas. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Merci, Bouddhaf. Merci à toi. Plus tout le monde.